Moi, j'adore les histoires réelles parce que ça vient m'impacter et du coup, ça vient ouvrir mon champ de vision, mon champ de conscience à des possibilités que je n'envisageais même pas. Ça, c'est une histoire véridique d'un monsieur qui était sur un banc dans un jardin public, pauvre, dans un état critique, sale, malheureusement, comme on en voit souvent. Et s'approche de lui une jeune femme et elle lui dit bonjour. Et il avait du mal à lui parler parce qu'il avait tellement l'habitude d'être ignoré, d'être humilié, qu'il s'est dit bon, c'est sûr que c'est pas à moi qu'elle parle. Tout de suite derrière, un policier s'approche et dit madame, est-ce que ce monsieur vous importune? Parce qu'elle était très élégante, très bien habillée. Elle lui dit certainement pas, au contraire, maintenant que vous êtes là, vous allez peut-être m'aider. Ce monsieur a faim et j'aimerais pouvoir l'inviter au restaurant, mais il est incapable de marcher. À vous, à nous deux, on va pouvoir y arriver. Donc déjà, le policier, il trouvait ça un peu étrange, mais très généreux de sa part. Donc elle prend le monsieur et elle l'emmène dans un restaurant. Aussitôt installé, le serveur, il arrive et il lui fait « Écoutez, madame, on est désolé, mais vous ne pouvez pas rester ici. » Elle lui dit « Ah bon, et pourquoi ça ?»« Ben, parce que votre ami, là, il va faire fuir les clients. » Et elle le regarde et elle lui dit la chose suivante. Il me semble que 3 fois par semaine, les directeurs de cette entreprise en face viennent avec des clients très importants pour des déjeuners d'affaires. Et je pense que ça vous laisse un paquet d'argent. Il se trouve que cette entreprise, c'est la mienne. Alors, c'est soit je déjeune avec mon ami, j'aimerais savoir si c'est oui ou c'est non. Évidemment, le serveur fait tout de suite le calcul. Il dit oui, oui, bien sûr, évidemment, vous êtes les bienvenus. Et là, le pauvre se retourne vers elle et lui dit « Mais je ne comprends pas pourquoi vous faites tout ça pour moi, c'est gentil, vous prenez trop de risques et tout. » Elle fait « Tu ne te rappelles pas de moi, Jean ?» Là, il fait « Non, je ne me rappelle pas de toi. » Elle lui dit « Il y a quelques années, j'étais sur ce même banc. Je venais de débarquer dans cette ville, je mourais de faim, je n'avais pas où habiter, j'étais en train de chercher un logement. » Et je venais de trouver un logement, mais je n'avais plus d'argent pour manger. Ça faisait une semaine que je ne mangeais pas. J'allais démarrer un emploi. Et tu m'as trouvé dans cet état-là. Tu travaillais à l'époque dans ce restaurant comme serveur. Et tu m'as appelé et tu m'as invité et tu as payé de ta poche. Je t'ai vu ce jour-là payer de ton pourboire que tu recevais des autres tables. Tu l'as sorti de ta poche pour payer mon repas. Je ne l'ai jamais oublié. Ça m'a donné de la force, ça m'a donné de l'espoir. J'ai intégré cette boîte qui est juste en face. Et j'étais au bas de l'échelle, mais j'ai gravi les échelons en me promettant qu'un jour je te rendrai l'appareil. Je t'ai cherché partout, je t'ai pas trouvé. Aujourd'hui, par hasard, je t'ai trouvé. Alors à partir d'aujourd'hui, c'est fini. La rue, c'est fini. Tu vas venir chez moi à la maison. Tu vas prendre un bon bain, tu vas dormir. Demain, on ira t'acheter de nouveaux vêtements et on te louera un logement et tu démarreras avec moi dans ma boîte. J'ai trouvé ça. Waouh ! Comme quoi, aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin d'aide. Demain, c'est toi peut-être qui auras besoin d'aide. Et dans la vie, il faut absolument rester focus sur une phrase. C'est un ami qui m'avait dit ça et je le remercierai jamais assez. Il m'a dit, Naïd, souviens-toi, dans ton chemin, dans ton ascension, rappelle-toi, il faudra que tu sois très sympa avec toutes les personnes que tu vas croiser pendant que tu montes dans ton chemin d'ascension. Parce que peut-être, c'est les mêmes que tu vas retrouver si jamais un jour, tu descends et tu dégringoles, ça arrive à tout le monde. Même les plus grands ont connu des gloires et des défaites, des réussites fulgurantes et des faillites pour se reconstruire. Donc n'oubliez jamais ceci. Aujourd'hui, moi j'ai besoin d'aide, mais demain c'est peut-être toi qui auras besoin d'aide. C'était Naïd Rached pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Hada houa et Allah yahfidkoum.